Bonjour, vous faites peut-être partie des personnes qui aiment entrer dans une église, découvrir une église lors d'un temps de visite, de voyage, de congé, d'été, lors d'une découverte d'un endroit, d'une ville que vous ne connaissiez pas encore. Vous êtes peut-être un jour entré dans la magnifique abbatiale Sainte-Foy à Conques. Mais saviez-vous qu'en Alsace, à Sélestat, ville célèbre pour sa bibliothèque humaniste, se trouve également une splendide église dédiée à Sainte-Foy? C'est ici que nous vous accueillons pour le 9e numéro vidéo Profondeur, le mensuel de l'orientation de la catéchèse en Alsace. Et nous sommes heureux de vous accueillir déjà pour la deuxième saison de ce mensuel Profondeur. Nous aimons entrer dans une église pour nous recueillir, nous ressourcer, pour méditer, pour allumer un cierge, pour prier. Mais qu'est-ce que prier et comment prier? Voilà des questions légitimes que nous nous posons peut-être ou que nous entendons autour de nous. Alors ce numéro vidéo Profondeur voudrait nous aider à méditer ensemble sur les mots de la prière. Tout particulièrement en ce mois d'octobre où l'Église nous donne à vivre une semaine toute particulière, la semaine de prière pour les missions. Un jour, les disciples ont vu Jésus prier. Cela a dû profondément les marquer, puisqu'à son retour, ils lui ont demandé: Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier. Jésus leur a alors enseigné cette belle prière du Notre Père. La prière est un temps que nous donnons à Dieu, en un lieu, en un moment, en un temps que nous avons choisi, que nous avons défini. La prière est chemin vers Dieu. La prière est à la fois personnelle et communautaire. Nous pouvons prier seuls dans notre chambre, dans notre voiture, dans la nature, à chaque fois que nous le souhaitons, que nous en prenons le temps et les moyens. Et la prière a cette dimension communautaire. Par exemple, lorsque nous nous retrouvons pour célébrer l'Eucharistie, qui est le rendez-vous communautaire par excellence, ou dans le cadre d'un groupe de prière, ou encore pour commencer ou terminer un temps de réunion. Jésus nous enseigne les deux formes de la prière. Quand il dit à ses apôtres « Faites ceci en mémoire de moi », il les invite à cette prière communautaire. Mais il dit aussi « Lorsque vous avez le souhait de prier, entrez dans votre chambre et là, dans le secret de votre cœur, priez le Père qui vous voit ». La prière est donc ce moment que nous donnons à Dieu. Elle est celle qui nous permet de dire « Me voici devant toi ». J'ouvre mon cœur, je te parle et je t'écoute. Le chrétien est donc celui qui mène ces deux formes de prière, communautaire et personnelle. Il aime prendre ce temps avec Dieu, temps qui se veut dialogue et non pas monologue, puisque la prière est à la fois le temps où nous parlons à Dieu et le temps où nous écoutons Dieu nous parler. Certains auteurs nous enseignent en disant que la prière est comme la respiration de l'âme ou l'arme du chrétien. De nombreux auteurs spirituels nous ont laissé des traités sur la prière, de très belles pages à méditer sur ce qu'est la prière. Saint Ignace de Loyola nous enseigne une méthode de prière. Quand j'étais adolescent, j'ai été marqué par le livre du père Jean-Marc Bott, « Ta prière, un secret d'amour ». Dans ce livre, il nous laisse sept mots qui veulent être comme une méthode pour nous aider à prier. Dans ce numéro Profondeur, nous parlerons peu des gestes et des attitudes de la prière ou des différents styles de prière. Mais j'ai choisi de sélectionner cinq mots pour nous aider à prier. Bonjour, merci, s'il te plaît,
je t'écoute et pardon. Bonjour, avant d'être un mot que nous exprimons par notre voix ou dans notre cœur, est une posture, une disposition. Nous prenons les moyens pour bien entrer dans le temps de prière. Peut-être que nous allons couper notre téléphone portable, disposer le lieu dans lequel nous sommes, l'endroit où nous sommes pour nous aider à prier. Nous allons tout faire pour ne pas être dérangés ou perturbés par tout ce qui est autour de nous et qui nous rappelle nos occupations journalières, quotidiennes, sociales ou professionnelles, bien qu'elles fassent partie de notre prière. Dire bonjour au Seigneur, c'est convoquer et convier l'Esprit Saint, celui qui nous apprend à prier, qui nous aide à prier. C'est lui dire, voilà, dispose mon cœur, mon âme, tout mon être à entrer dans ce temps de prière, de rencontre et de dialogue avec le Seigneur. Dire bonjour au Seigneur, c'est tracer sur nous le signe de notre baptême, le signe de la croix, un signe qui ne veut pas être machinal, banal, habituel, mais bien un signe tout disposé à entrer dans ce temps de prière en disant au Seigneur, me voici devant toi. Bonjour Seigneur, je suis là pour toi et avec toi. Le deuxième mot de la prière est « merci ». Avant d'entrer dans une prière de demande, avant de demander quelque chose au Seigneur, nous prenons le temps de rendre grâce, de le louer, de dire merci pour ce qu'il est pour nous, ce qu'il fait pour nous. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci Seigneur pour cette journée qui commence. Merci pour ma famille, pour mes amis, pour celles et ceux que tu mets sur ma route. Merci pour tel ou tel événement vécu, pour telle ou telle réussite. Et dans cette prière de merci, nous pouvons associer les merci de celles et ceux que nous rencontrons, qui nous sont chers. Nous ouvrons notre prière à l'action de grâce pour toutes celles et ceux que nous rencontrons et que nous connaissons. Dire merci au Seigneur, c'est entrer dans cette même posture que Jésus a eue lorsqu'un jour, sous l'action de l'Esprit Saint, Jésus a exulté de joie en disant « Seigneur, Père, je te rends grâce » de ce que tu as caché aux sages et aux savants, mais révélé aux tout petits. Merci Seigneur pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans notre vie. Le troisième mot de la prière, c'est « s'il te plaît, Seigneur ». Jésus nous enseigne que nous pouvons nous tourner vers lui en faisant monter nos prières de demande. Demandez et vous recevrez. Dans un autre passage, il dit « quand deux ou trois se mettent d'accord pour demander quelque chose en mon nom, ils l'obtiendront. » Allez, c'est vrai que parfois, nous ne ressentons pas toujours les effets de cette prière, que parfois, nous ne voyons pas toujours cette prière, ou en tout cas pas comme nous aurions souhaité qu'elle soit exaucée. Mais puisque le Seigneur nous invite à nous tourner vers lui en lui demandant, en lui disant « s'il te plaît », faisons-lui confiance et demandons-lui ce que nous avons besoin pour notre vie quotidienne. Mais associons aussi dans notre prière de « s'il te plaît », ces demandes de celles et ceux qui nous entourent et qui peut-être n'arrivent pas à prier pour différentes raisons. Dire « s'il te plaît » au Seigneur, c'est vivre de manière toute particulière et intense ce moment de la prière communautaire, spécialement le dimanche, lorsque nous nous trouvons ensemble réunis pour l'Eucharistie et que nous vivons le temps des prières universelles, ce temps où nous disons « s'il te plaît » au Seigneur à travers ces prières dites à haute voix, mais aussi toutes celles que nous portons au plus secret de nos cœurs. Le quatrième mot de la prière est « je t'écoute ». La prière chrétienne est un dialogue et non pas un monologue. Il est donc important de se taire, de faire silence, de laisser le Seigneur nous parler. Le dimanche, lors de la célébration de l'Eucharistie, en communauté rassemblée, veillons à ce qu'il y ait un espace, un temps pour le silence,
pour que Dieu puisse continuer à nous parler dans ce moment de silence. Dans notre prière personnelle, prenons le temps d'ouvrir la parole de Dieu, de méditer l'Évangile que nous avons entendu le dimanche, qu'il puisse continuer à résonner dans notre cœur, dans notre tête. Nous pouvons aussi prendre l'Évangile du jour que l'Église nous donne. Nous ne choisissons pas cette page d'Évangile. Dieu nous parle et l'Esprit-Saint travaille dans nos cœurs pour nous aider à mettre en pratique, en œuvre, la parole de Dieu. Dire au Seigneur « Je t'écoute », c'est faire cette expérience d'Élie qui entend le Seigneur lui parler dans la brise légère du vent. C'est aussi vivre cette expérience de Samuel qui s'adresse au Seigneur en lui disant « Parle, Seigneur, je t'écoute ». Le cinquième mot de la prière est « Pardon ». Pardon, Seigneur, parce que plus nous grandissons dans notre vie avec le Seigneur, plus nous avons envie de lui dire « Seigneur, je me rends compte combien tu es grand, combien tu es miséricordieux, combien tu m'aimes, combien tu marches à mes côtés, combien j'ai du prix à tes yeux. » Alors nous faisons l'expérience de notre petitesse, de notre péché. Nous nous rendons compte combien nous avons besoin de nous convertir et de grandir encore dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Dire pardon au Seigneur, c'est entrer dans cette expérience filiale et confiante d'un enfant qui se tourne vers son Père, vers Dieu son Père, en lui disant « Seigneur, pardon, je sais que tu es amour, je sais que tu es miséricorde, pardonne-moi, pardonne mon péché. » Et cet examen de conscience pourra alors nous préparer à vivre et à demander le sacrement de la réconciliation. Il y aurait encore tant à dire sur les mots de la prière. Chacun pourra rajouter les mots qu'il aime utiliser quand il s'adresse au Seigneur dans la prière. Sainte Foy a été martyrisée alors qu'elle était toute jeune fille. Elle est fêtée le 6 octobre. Demandons son intercession pour qu'elle nous aide à grandir dans une vie de prière, qu'elle nous aide à trouver des mots simples, les mots d'une prière filiale et confiante que nous adressons au Seigneur. Alors bonne prière et à bientôt.